Bonjour à toutes et à tous, je suis Raylus et voici la suite de Neverwinter Nights. Après l'épisode 100, qui a duré 2 heures. Alors 2 heures en deux parties pour moi, donc j'ai enregistré ça sur une journée entière. Oh, nous avons, alors la map, s'il te plaît, la map, tu es ici. Nous avons eu droit à un putain de donjon. J'appelle ça un donjon, je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai. Nous sommes allés voir un bois-souris. Nous avons rencontré des squelettes, nous avons rencontré le jugement, un dieu, une divinité, je ne sais plus, qui nous a dit, il y a 2 personnes dans 2 tours, tu dois aller les juger. On est allé les juger, après s'être fait maraver la tronche des dizaines, si ce n'est voire une centaine de fois. Et nous avons appris que Bélial était dans cette histoire. Bélial, n'oublions pas, c'est ce fameux dieu où les flammes sont présentes et aussi la mort. Nous avons convoqué Bélial et cette histoire s'est terminée sur le fait que la ville de Bois-Souris était prisonnière dans une espèce de faille temporelle, ce qui fait que maintenant il n'y a plus rien, il est retourné à la taille, et que j'ai reçu un coffre du bachelier, du bourgmestre, voilà. Et voilà. Et donc du coup, on va continuer tranquillement les aventures, le rythme normal va être repris. Là, ce sera une petite session, ce sera un épisode de, je pense, plus de 20 minutes parce qu'il est un peu tard et que j'ai pas trop le temps d'enregistrer. Déjà, ce qui va se passer, ça va être une première ellipse parce que je suis un petit peu full, comme vous le voyez, je suis à 110 sur 110 en termes de poids. Mais surtout, est-ce que le level up va être passé? Est-ce que le level up sera présent? Si le level up est présent, je pense que je vais légèrement augmenter ma force pour avoir un petit peu plus de poids transportable. Voilà, donc une première ellipse, ça va être tranquille, à tout de suite. Voilà, petit tour au marchand terminé, on est ready, on est prêt, on est là. Donc maintenant je devais... Oui, je voulais pas y arriver, sauf que les discussions sont complètement bloquées. Je dois aller à le scan, c'est super important, donc il faut aller au nord. Au nord. Moi, ce que j'espère juste, par contre, c'est qu'une fois que l'émission le scan sera terminée, on revient ici parce que j'ai une grosse quête à rendre. Je vais au sud, par contre, c'est très bien. J'ai une quête à rendre, alors c'est J pour les quêtes. Non, c'est terminé. Voilà. J'ai. Elle est où? Voilà. On est pourtant à 17. En direction de l'Oscan. Il veut qu'on suive cette piste et qu'on se désire de passer sa base à l'Oscan. On espère rentrer des trucs. Mais oui, mais là on a un Yas. Donc faire du serpent, c'est ce qui me reste. D'ailleurs. La dernière se trouve dans le trésor personnel de Star, ça c'est bon. J'aime dans les carrières Zvita qui recentre sa vie en étant en chemin vers le scan. Donc il manque celle de Zamithra. L'attaque du culte. Alors ça faut que j'en prenne un Raybess. Ouais. Journal de Ganon. Voilà. Journal de Ganon, mais attends, ça me dit quoi? Au sud. Ouais. Donc ça j'ai fait et combien d'armes c'est notre cher ami bourrin d'Alain. Voilà. Et nous allons passer ici. Voilà, voilà. Peut-être je vais juste me remettre les potions. Potions. Ouah, j'en ai plus beaucoup. Pef, changement de slot. Et on va explorer le nord. Alors, la route du nord. Alors, si c'est même écrit là. Je l'avais exploré. Est-ce que je suis allé jusqu'au bout? Alors, ça, c'est une excellente question. Est-ce que j'avais pu explorer ici?
Léa, je... What? Pardon, c'est moi. C'est un plaisir de vous revoir, mon ami. Les choses vont s'arranger avec leur tour de lait. Ah oui, cette quête-là, elle était où? Voilà, là. Bonjour. Ah là là, la chaise de Vardog, vous êtes vraiment, vous êtes certainement un recognized token. Vous correspondez précisément à la description que l'assassin a faite de vous. Je suis également un aventurier à la recherche de sec, je cherche la notion de l'unité, je suis l'unique sur le groupe. Mais où l'avez-vous? Avez-vous entendu son nom? Oui, Vardog, j'ai bien compris le nom de son clan, mais il a été enlevé par les orques. Aucune mère humaine n'aurait pu élever un fils aussi haineux. Où l'avez-vous rencontré? Alors, aide-moi souris, mais inutile de vous y rendre, vous ne le trouverez pas parce que c'est lui qui vous est en train dessus. Merci d'avoir réussi. Quand porte la nouvelle, il nous recherche tous. Merci, le nain. Journal de quête mis à jour. La chasse de Vardog. Turvin, un autre aventurier. Attends, c'est Flowin, un autre aventurier. Prétend que l'agent du culte de Vardog a massacré tout son groupe. Et a réussi à s'enfuir à grand-peine. Turvin déconseille à quiconque de mettre son nez dans les affaires du culte. Cet homme est un épouvantable fils de pute. Disons-le. Donc en fait, il y a toute cette zone que je n'avais pas vue, donc moi te dire non. Je ne sais même plus. Je vais aller juste me diriger vers ces mines. Et si effectivement j'ai vu les mines, j'ai déjà exploré ces mines. Et ben on va continuer au nord, on va regarder vers l'auberge du Griffon et vers l'Ascan. Le scan, j'ai appelé ça le scan parce que le scan c'est moche. Oh, regardez cette animation. Animation sur 20. Regardez. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Pouce bleu. Oh, pouce bleu pour ce truc. Cette animation au vent. C'est magnifique. Bon, je vois par contre que l'herbe qui apparaît au fur et à mesure. Non, c'est une. What? La veine d'Alias était fermée depuis de nombreuses années car la veine de minerai qui exploitait était épuisée. Oui. Est-ce que je suis déjà... Je sais même plus. Je n'y étais pas allé. Eh ben petit donjon. Voilà, petit donjon. Ah ouais, les portes étaient fermées. On ouvre la porte, on bourrine. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose et ça ne me plaît pas. Bon, par contre, la luminosité qui fait oui, non, je m'en fous. Chut, t'es pas là. Alors, ouais, mais en fait, alors, on s'arrange comment? Je ne pouvais pas la crocheter. D'accord. Bon, bah ça c'est un problème de régler. Mais je n'y suis pas allé. Voilà. Puis là il y a des grottes. On est dans les grottes. Et là c'est quoi? Là c'est qu'est-ce que c'est? C'est un caillou. Oh, par contre la musique. Oh, d'une beauté. Les musiques du jeu sont franchement belles. Je vous les recommande tellement. Des gobelins. Putain, un gobelin d'élite, c'est vrai que c'est merde en plus de vie. Tu rentres 3 18. Oh là là. Alors, a priori, je n'y suis pas. Dalin. Là, je calme. Yeah. Voilà. Je ne suis vraiment pas allé dans ces grottes. Bah si, le nom me dit quelque chose.
Ah oui, je m'en souviens. Ah là là. Ah là là, c'était chiant. Ah là là, oui, je m'en souviens. Ah là là. J'avais fait cette zone et après je crois qu'on s'était arrêté. Mais alors la session de cette zone date. Waouh. Elle doit dater un petit. Il se débrouille. Elle doit dater énormément. Lol, petit sanglier au calme. Ah, donc, là-bas se trouve l'auberge du Griffemer et le scan. Allons-y. Auberge du Griffemer, déjà. Ah putain, c'était rapide. Ah, ça rame. Ah, ça rame. Oh là là. Attends, un garde. Un garde. Un garde. Ouais. Potion. Prends une potion, prends une potion, prends une potion. Va pas mourir. Va pas mourir. Va pas mourir. Prends une potion, prends une potion. Prends une potion, prends une potion. Calme-toi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dalla, prends une potion, prends une potion. Dalla, calme-toi. Il a pris une potion. Ok. Je prends une potion. Toi, décèdes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce? Non mais Dalin, s'il te plaît. Oh non mais non. Oui, un petit critique Dalin, c'est bien, c'est bien. Oh, non, Dalin! Il est mort! Alors évidemment, cette mort de Dalin n'est jamais arrivée. Jamais. Nous n'avons rien vu. Dalin a juste glissé sur l'herbe. Voilà, donc Dalin, on va passer cet endroit. Alors, la petite embuscade, par contre, j'avoue, il fallait le faire. Il fallait oser le faire. C'est quelque chose que je ne me doutais absolument pas. Je dois avouer. Mais je dois l'avouer. Ça m'a surpris. Alors par contre, à chaque. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que le jeu soit PC, soit recording. Mais ça rame un petit peu beaucoup à chaque fois. Je pense que c'est du recording, qu'il y a pas mal de trucs qui clipent, d'apparitions comme ça. Je m'en excuse. Vraiment. Ça va être comme ça depuis plusieurs épisodes et je m'en rends compte. Ou alors lui, je lui mets une patate dans sa bouche. Il est arrivé, il a glissé. On sauve. Attention. Et bam! Alors. Tac, sauvegarde, première chose à faire. Oh putain, j'ai pris cher. Ok, déjà un. Petite sauvegarde. Nous aimons tricher, j'aime tricher. J'ai rien compris. Mais alors j'ai rien compris, j'ai rien bité. J'ai vu trop que je me suis pris 3 dommages. Voilà. Par contre, si tu pouvais arrêter de bouger et attaquer. Oh le petit 21. Petite sauvegarde. Oh, ça va, on se débrouille chacun de notre côté comme il faut. Je pense que le level up est pour maintenant d'ailleurs. Oh. Alors par contre, Dalin qui se heal, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant. La rage du cidre rouge te.
Oh, j'ai mis 40. Je ne les valais pas maintenant, pas encore. Qu'est-ce qu'il fait tomber? Un marteau. Clonk, clonk. Bon, bah, on n'est pas les bienvenus ici. Je pense que on l'a remarqué. Ce PNJ a dû le remarquer. PNJ qui ne sait pas du tout bouger le cul. Ouh, pourquoi j'ai un petit plus 4? Ah oui, c'est vrai. J'ai mis dextérité plus 1. Ça m'a rajouté 1 dans ma classe d'armure. Et bah c'était cool de s'en être pris plein la gueule. Oh, donc là c'est l'auberge du griffon. Félicitations. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. L'auberge du griffon, ouais, ok. Oh, un petit tas de bois. Un petit peu. Oh, mais dites-moi, il y a des richesses. Beaucoup de richesses. Potion sagesse du hibou. De l'or. Oh, une caisse. Une petite caisse. Non, de l'or. Encore et toujours de l'or. Et par ici, nous n'avons rien. Très bien. Entrons dans l'auberge. Cette auberge-ci. Cette maison-là. Non, ah non, dans la maison-là. Nous sommes dans la grande. Du bœuf. Oh, j'ai cru que c'était quelqu'un, ça. Un bœuf. Un enclos vide. Une serrure verrouillée. Oh non, c'est juste une grange. Il me dit quoi le bœuf? Il me dit me. C'est très poli de me dire me. Ta mère est un me aussi. Voilà, ça te ferait plaisir, je crois pas. Non mais oh, respecte-moi, sale me. Alors, ah, niveau 1. Alors. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Bonjour, dude. Ah, le concours. Mais le concours. Oh, persuasion. Oh, je m'en vais. Et je continuerai. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Gamme. Quelle bonne surprise. Oh. Qui êtes-vous? Je regarde les gammes. Je suis le coucou, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh. Ah ah, la persuasion. Mais t'as mis la propriétaire de ces lieux dans l'aventurier à la retraite. Il est très riche, d'après ce que j'entends dire. Du moins, il est assez riche pour organiser un concours. Il y a des souterrains remplis de monstres et de pièges submergés. Prenez qui parvient à les traverser remporte le prix offert. Mais c'était pas à moi qui vous demandais si l'autre à savoir, mais t'as mis un petit concours. Oh. Eh bien, bonjour. Le concours. Eh oui, je suis ici pour le donjon. Oublions. Oh, oh, le journal de Cat. Les clients de l'auberge du Griffon Vert parlent d'une compétition illégale dans un donjon. Et elle aura lieu sous l'établissement. Apparemment, cette course est organisée par un dénommé Mutama. Mutama, que je vais m'empresser. Bonjour, quasiment. En fait, qui es-tu? Tu m'appelles Kazma, je suis une barde de la porte de Baldur. Ah alors. Porte de Baldur. Baldur's Gate. Référence, vous l'avez. Ok, mets un pouce bleu si t'as compris. Et abonne-toi. Ah, je fais un long voyage. Ah oui, mais la porte de Baldur. Allez, on le ressort, Forgotten Réalisme, évidemment. Qu'est-ce qu'on court? Tournant ici, le bon spectacle qui met à mal à venir.
Nanana. Il est au mutamin. Aristocrate. Oh. Bienvenue. Dommage-toi, brandir ce sort du sang. Ne pouvez pas là. Je sais qu'il y a une touche pour ranger l'arbre. Oh. Oui, mais je crois que ce soit pour vous. Je crois me souvenir qu'il y a une touche pour ranger l'arbre. Mais alors, aucun moyen de m'en rappeler. Une serveuse pour le chômage. Que puis-je faire pour vous? Une toute petite question. Qu'est-ce qui se passe à l'Oscar? À part qu'on l'a fait. Oh. En quoi Zam est la main? Elle est pas étrange, elle a du cran, jeune, mais celle qui était mercenaire, trouvée pour sa haine des hommes. Oh, la santé, vous les mêmes sentiments? Bien sûr que non, vous n'avez pas besoin d'en faire. Ah, lol. Pour moi, elle est un bon exemple. Et bah, tant mieux. Je vais chercher ce mutin. Oh, mutin main, tu es ici. Putain, je te parle d'ici, mec. J'aimerais poser à propos de cette compétition. À combien se monte la récompense? À la moitié de tout ce que je possède. Oh. Ah. J'aimerais que m'en disiez davantage. Il y a des portes derrière moi. Celle de droite qui ferme la clé et met la cave. J'ai préparé un parcours sous terrain piégé. Ok. Ceux qui veulent. Entrer doit payer 500 pièces, mais pas à moi. Moi, je me contente de donner la clé ouvrant la porte. En bas, vous trouverez Jarro qui vous explique comment ça fonctionne. C'est lui qu'il faut payer. Avec son sable, vous pourrez appréciez le stack que j'ai disposé là-dessous, rafle la mise. Mais ne vous y trompez pas, c'est un jeu sacrément dangereux. Si vous descendez, il y a fort de chances pour que vous ne remontiez jamais. C'est pour cette raison que vous gardez le secret. Le droit de ressortir tout le monde et de retourner quand vous voulez. Mais quelqu'un peut très bien l'emporter entre temps. Alors, toujours partant. Allez, vas-y. Bien, tenez, voici la clé de la porte de derrière. Celui au bout du pays, 500 pièces d'or à Jarro, pour qu'il vous laisse entrer dans le souterrain. Très, très intéressant. Je n'ai qu'à... Ah, Zamifla. Olé, voilà. Salut, mon mignon. Dure journée. Putain, on dirait en russe. Oui, j'ai tué les dents toute la sainte journée. Attends. Là, c'est fini, vous qui l'avez. Ils vont en train de draguer, comme ça. Je voulais pas te tuer. Elle m'a fait quoi? Elle m'a fait quoi? Qu'est-ce que... ça va être le décès pour Miguel. Ça va être le décès, voilà. Rien compris. Je n'ai rien compris. Pourquoi j'ai pas sauvegardé? Ah, oh, c'est débile. Ah, oh, putain, c'est débile. Bon, on va tout refaire. Et on va sauvegarder sa mif là. Lorsqu'elle a une pierre. Dans ma gueule. Enfin, que je veux prendre. Oui, donc blablabla, il se passe des choses. Oh là là, blablabla, blablabla. Oh là là, Zamifla est là. Oh, mais ta main, tu es ici. Ça alors. Oh là là là, je m'en vais. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, que tout ceci est intéressant. Bon, je vais trouver un des clients ensuite. Oh là là, bonjour, cher client. Bonjour, Lucas. Bonjour, Diode. Oh là là, dis donc, est-ce que tu n'auras pas quelque chose à me dire? Ah, oh là là, vous avez gagné? Oh là là, j'ai entendu parler d'un concours. Oh là là, mais c'est trop con. Cool. Dis-moi, Mutama, je voudrais participer au concours. Oh là là. Ensuite, Zamifla. Salut mon ami. Oui. Dure journée. Oh. En chasse. Dure journée. Ouais. Moi, tu es orc tout le temps. Grande. Une nuit agitée. Hein? Si ça vous dit. Oh, moi voir quoi vous faites. Les dieux se sont penchés sur votre... Venez dans ma chambre. Ouais. Ah, vite, Ellipse. Oh.
Oh là là. Là, nous sommes pris dans une faille temporelle. Salut mon mignon. Oui. Un studio qui a encore des orques à tuer. Pourquoi pas. Dalin. Ça sent le guet-apens. Cette femme a disparu. Est-ce qu'elle vit vers là? C'était la porte de derrière, Dalin. Non, si elle m'a pris. Dalin, écoute-moi bien. C'est une mission de la plus importante. Reste en calme. Dalin. Oui. Puis-je quoi que ce soit pour vous? Laissez. Samisla. Alors, maintenant que nous sommes seuls, ne sois pas timide. Obéis à mes ordres. Et je suis sûr que tu seras un homme heureux demain matin. Je ne pense pas. Je suis ici pour prendre la gemme magique qu'on m'a dit que vous partiez. Ouais. Que cela me chagrine de l'admettre, je suis vaincu. Je suis ici pour la gemme. Je suis sûr que vous avez la gemme. La source de cette information est très sûre. Notre source ment, je ne suis que serve. Assez de mensonges, donne-le-moi. Oui. Laisse-moi partir, la honte. Vous pouvez partir, je trouverai ce que je cherche dans le champ. J'ai été mené en bateau. Quand puis-je présenter devant mes femmes maintenant? Waouh. C'était la difficulté. C'était... Très la difficulté. Ah là là. Tout ceci était extrêmement dur. J'ai failli croire pendant 10 secondes qu'on allait avoir droit à une scène pour avoir de l'expérience gratos. Non, c'est de la merde. Mais non, bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Donc... Avant de terminer ce petit épisode, hein, parce que ce sera un épisode one shot, j'ai envie de dire. Tout simplement parce que j'ai réussi ça à la bourre. Un tout petit peu à la bourre. Merde, mets ta main, voilà. Laissez-moi aller dans les cuisines, merde. Oui, donc je disais, on va juste choper la clé, choper la baguette, et puis on va s'arrêter ici. Enfin, je vais m'arrêter là. Je reprendrai ça dans... Enfin, je reprendrai juste après. Et puis voilà. Bienvenue à l'auberge. Oh! Oh, tu as des trucs! Tu as complètement bugué pendant 10 secondes. Tiens, je demande ça, et puis ça, et puis voilà. Est-ce que ça va être cool? Oh là, peu de mort là! Oh, je vais te prendre ceci. Je vais te prendre un sac sans fond que je vais t'échanger contre un sac de merde. 20%. Il y avait rien dedans. Tiens, je te vends ça et je te prends ça. Et paf! Alors, on va me dire ça sert à rien. Hein. Mais les mecs, soyons sérieux, un sac sans fond est largement plus rentable qu'un sac moins 20. Je pense que niveau rentabilité... On est pas mal. Il faut aller en bas, c'est ça? Voilà. T'es juste ici.
Allez, ouvre la porte. Auberge. Oui. Bonjour. Salutations. Ok. Alors, explorons un petit peu. Un aristocrate. Oh, bonjour. Bienvenue. Un soir plutôt et moustique, vous ne pouvez pas. Je sais pas, je vois rien. Bon, je te chope ce qu'il y a dans le coffre. La ville de Palivère, déjà lu. Ah. Ah, oh, oh. Tiens. Oulala. Ouah, alors, par contre, mais arrêtez de marcher, s'il vous plaît. Messieurs, arrêtez de marcher, vous faites tout planter. Hein, c'est pas la joie pour moi, vous le savez. Je vous rejoins dans un instant. Ah, messieurs les aristocrates, c'est de l'acte de ce spectacle. Et là, nous avons une aristocrate. Une aristocrate. Bonjour, madame. Ah, ce coffre verrouillé. Ce coffre verrouillé, sa tête coffre verrouillé. Ce qu'il est. Voilà. Ouais, donc tu t'en fous. Et nous allons enfin. Quel meilleur gars. Oui. Ah, Jal. Ainsi, voici le dernier groupe d'entrants, n'est-ce pas ? Il alors. Vous en coûtera 500 pièces d'or. Alors. Si vous voulez être téléporté jusqu'au sous. Ok. Si vous souhaitez revenir. Il vous suffit de remonter sur la plateforme par laquelle... D'accord. Ni moi, ni Mutamine ne pourront être tenus responsables. Si quelqu'un est intéressé, qu'il vienne me donner la somme convenue pour être... Très bien. Eh bien, j'accepte ton défi. Mais ce sera pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi cette petite session de Never Winter Night. J'espère que ça vous plaît, que vous continuez à être intéressé par la tournure que prend l'aventure. On est, alors j'ai pas envie de dire pas loin de la fin du chapitre 2, mais à partir du moment où j'aurai fini le scan, on sera au final du chapitre 2, pas pareil. Si cela vous plaît, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, si mon contenu te plaît et vous plaît, tout simplement, abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @1. Merci à tous, bon jeu. Et à la prochaine sur Neverwinter Night.